Voilà, sur une douce musique. Bonjour à tous, c'était Camon. On se retrouve dans un petit jeu narratif, un petit peu narratif, et de pêche et d'horreur. Bienvenue sur Dredge. Et re sur Twitch, les amis, merci de vous de m'accompagner ce matin. Prenez votre temps. Pensez à boire frais, hein, il commence à faire chaud. Ouh là là. Et en compagnie, très bonne compagnie, d'Ania Kuro 25, peut-être toujours, d'Assi, d'Ilki 44 Gaming, de Broodinator. Et si j'en ai oublié, excusez-moi. Soyez bienvenus. On part sur cette découverte agréable, puisque j'ai attendu un an pour m'offrir le jeu grâce à vous. Et je ne le regarde pas du tout. On part sur un troisième épisode. Alors, on a pêché des crabes, on a pêché des petits poissons. Papy tech tous. Il faut boire. Et on a fait la rencontre d'un collectionneur. On a déjà trouvé une relique. On va voir ce qu'on va faire aujourd'hui. On va continuer la game. Et quand on parle, on a la gorge sèche. Ça, c'est normal. La grande moelle. 6h du mat. On a quelque chose en cabine. La carte et encyclopédie. Ah mais si, les bouquins sont là. Je me souvenais de ça. Un livre sur les cannes à pêche et moulinets. Du bon fonctionnement des moteurs. On va commencer à lire ça. On aura des bonus. Voilà. Et ça s'avance, ça progresse quand on est en navigation. On peut aller voir l'architecte ou on peut aller à la falaise du souffle-vent en bas. Ouais. Placer un marqueur F. Écoutez, on va se mettre... Non, c'est pas ça. Supprimer marqueur, voilà. Ah ok, il faut bouger comme ça. Là, il y a un truc. Et là, il y a l'architecte. C'est la cible et le port de pêche, nous, on s'en moque. Hein. Voilà, ça c'est ok. Côté encyclopédie. On a pêché un calmar croqueur, c'est vrai. Pourquoi on n'a pas la somme? Alors, on l'a dû le perdre dans l'accident du bateau. Ah, crotte! Avarié. On va voir si on peut le vendre, attends. On va voir. Il n'y a pas moyen plus rapide? Non. Est-ce que le pêcheur accepte du poisson pourri? Mais oui, 34$. Ah. Et comme on n'a pas bougé, il est toujours 6h du mat. Allez, il est toujours là aussi, j'avais oublié. Ah, excuse-moi. Pouf. Chaud. Bon. On a vu que la magie célérité marche. On pourrait peut-être pêcher un poisson d'océan. Je sais pas, on réfléchit. Cabillaud. Voilà, on a le truc au sud qui est indiqué, c'est cool. Où se trouve la nana, l'architecte? Écoute, on y va, tranquille. Moi, j'aurais pêché des poissons d'océan. Ah. Attends, je pêche quoi? Ah non, au fond. Ok, j'ai rien dit. On a vu quelque chose. On y va. Pas de temps. On va pas faire exploser les moteurs. Hein. C'est parti, attention. Ça va, il est simple celui-là. Des boucles d'oreilles de perles. Bon, on sait à qui vendre ça. On ira voir. J'avoue que c'est pas mal comme ça. Tu repères un petit peu. Macro tacheté. Bof. À fond la cale! Ouais! Est-ce qu'on peut passer la nuit ici? On peut. Donc elle veut deux planches. Eh ben on va chercher, hein. On peut même faire des recherches là? Ah cool.
Alors, il y a un petit vent. On a des planches ici, on a un truc bizarre. De la ferraille, on n'a pas encore trouvé. Bon, écoutez, ça a l'air d'être des planches. Go. Oui, c'est un bateau qui a coulé. On est en train de remonter la chaîne. Oh, de la recherche. Ça vaut le coup. Aïe. Je vous dis qu'il faut une bonne vue, hein. 14h, on continue. Déjà, on n'a pas la gestion de la faim et de la soif. Voilà, on a les deux là. Oui, on va fouiner ici aussi. Un peu plus nerveux celui-là. Une coupe. Ah bah tiens, on a la ferraille qui est là. On va faire le combo gagnant, il en faut deux. Pour repartir dans le bon sens. Eh oui, je vais prendre des photos en même temps. C'est ça, bout de métal. Oula. Tout va très bien. Don't panic. Oh oh. On va jouer au feu. C'est quoi? Il y a un truc là, hein? Il y a quelque chose qui se déplace. Tiens, le bateau là, il va lui arriver quelque chose. J'avertis, hein. On est prudent. Je coupe un peu le micro parce que je tout saute. Allez, on va lui déposer les matériaux. On n'a pas trop à réfléchir, c'est sympa comme tout. Tout est livré, on va prévenir l'architecte. Mise à jour la quête. Voilà, lecture, tu vois, on a bougé, on a pêché. 63%, c'est cool. Ok, elle est restée au Havre de Paix. Bon. On passe la nuit quand même. Hein, on a pas envie de se faire croquer. Il y a la grosse bestiole à côté. Ça pue du genou. Ah oui, on est parti là-bas en effet. On n'a pas de réserve. On a tout ça qui nous encombre. On va rentrer au port avec quoi? Du macro, cabillaud, anguille grise. On peut draguer encore des métals. Cardo. On va ramener du métal pour améliorer. C'est vrai qu'on a de la recherche aussi pour notre navire à cale sèche. On va aller en chercher. Et du coup, à fond les ballons. C'est bien, tu vas trop vite, ça, le ciel commence à être rouge, ça te fait flipper en plus. Allez. C'est l'épisode du dragage, hein. On va commencer à faire nos réserves, hein, de petits poissons. Clac. Ah, c'est un point de recherche? Non, sérieux, c'est sympa. Ça vaut vraiment le coup. Épuisé. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais l'ambiance est excellente. Franchement. Cabillaud. Ah, attends, on a eu quelque chose là. Ah, et l'océan, c'est pas pour nous.
Et là, on a quoi? Cabillaud. Ouais, bon, on va finir comme ça. On va se faire un peu les poches. Allez, ah bah tiens, non, c'est les anguilles. On va faire comme ça. Petite anguille grise et pas anguille grasse. Attention. Oh, on a réussi ça. Alors, on va sélectionner l'autre livre. Alors, ça donne quoi? Les moteurs ont une vitesse supérieure de 5% par rapport à celle indiquée. Cool. Canne à pêche moulée à gréement. On va avoir un bonus. Voilà. J'aime bien quand tout se passe bien. Oh, regardez ce qui va se passer. On va remplir la cale. Perfecto. Voilà, et donc là, vous gagnez un haut fait. Moi, c'est déjà fait une première fois. Et du coup, on est content. On le fait savoir. Voilà, touche F. Ah. Allez, on va lui dire. Tu as fini? Oui, je t'ai mis tout le matos. Allons-y, après. Ok, on va vendre. $87. On a des choses à vendre aussi, là. Vers la réserve, oui. Voilà, on est tous en réserve. On a 2 points de recherche à dépenser, c'est chouette. Oui, je stocke les matériaux. Alors, attends. On a du métal. Alors, ça va être le tissu. Espace pour filet, par exemple. On pourra tout débloquer. Excusez-moi. Du coup. Espace moteur. Ouais, on verra, on va travailler tout ça. Faudra qu'on trouve des planches. L'architecte, du coup, on va t'embarquer. Impec. Les points de recherche, on va le faire. Non, c'est pas comme ça, excuse-moi. C'est sur les docks. On a 2 points. Donc en canne, on est bon. La volcan au fond. Hors-bord, sophistiqué pour monter à 26. Il faut 2 points de recherche. Que là, c'est du 36. Eh. Vitesse. On aurait le temps de la remonter. J'ai combien? $367. Et l'océan, je n'ai toujours pas assez. $300. On va le mettre à la réserve. Oui, on va se faire un petit... Ah ouais, non, d'accord, non. J'ai pas réfléchi. Oh, j'ai pas réfléchi. Vers la réserve. Ça fait 30. Ah ouais! Ou comment glaquer son argent? J'ai plus vite à faire ces deux-là. Ouh, on est à 29. Ça vaut pas le coup. Ah, j'ai fait un mauvais achat.
Bah écoute, hein. On va passer la nuit, on va pas se casser. Et on va aller rejoindre le site d'aménagement de l'architecte. Allez, c'est parti. On n'a plus rien en cale, à part la miss. À fond. Et nous, il faut qu'on aille à bâbord. Voilà, alors je pense que pour YouTube, vous aurez deux épisodes, hein, mardi, jeudi. On va faire tranquillement cette aventure. Je sais pas si on peut mourir là-dedans. Par contre, c'est cool, hein. 8h40, 9h, arrivé là. Ah, c'est bien géré. Oui, ça fera l'affaire. Merci, mon ami. Elle sort quelques objets de sa boîte à outils. Prends ça. C'est toujours dit. Encore des points de recherche. Oh là 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 là. Ce qu'on va faire là... Oui, on va faire de la recherche aussi, après tout. Mangrove et côte. Volcan au fond. Le casier à crabe... La taille plus grande, 5 par 4. Deux, trois par jour. Allez. On se fait plaisir. On prend quelques casiers. On verra plus tard pour le reste. Et puis, on va aller vendre nos babioles. Et du coup, on va regarder s'il n'y en a pas d'autres. Macro acheté. Oh, on a fait beaucoup de dragage. Quoi qu'on aime bien les raies. Allez. La cale est vide. On va en profiter. Alors là, faut pas que je me loupe. Hein. Ah, c'est pas resté la grande taille. Mince. Ok. Pas facile. Hein. Ah. J'ai l'impression que j'arrive pas à voir en bas. Vraiment pas facile. Je peux en caler une là. Oh, une raie à fragments. On va être rapide. Alors. Il est 16h. Nom d'un moussaillon. On veut vendre des babioles. Coup de chaud, gardez votre jauge de CAT au-dessus de 50%. Ah, c'est bien ça. On a débloqué au fait. Oui, j'ai la place pour lui mettre là. On va vendre tout ça. On a trois babioles, finalement, ça vaut le coup. Bon, est-ce qu'on a besoin de ranger? On a quand même deux planches qui nous restent. C'est pas mal. Il y a un peintre. Père endeuillé. On va voir. Alors, le tout, $75. Voilà. Super. Ça, c'est fait. Le père endeuillé. Bonjour, tout va bien? Vous savez où trouver des épaves? Oui. Voyez-vous, mon fils unique a disparu en mer il y a plusieurs années. Ouais, comme tous les pêcheurs, hein. Il est toujours là-bas, quelque part dans une de ses épaves, tout seul dans les eaux froides et sombres. L'homme fait de son mieux pour garder son sang-froid, mais il tremble de chagrin. Dites, j'ai remarqué que vous aviez du matériel de dragage à haute bateau. Si vous parveniez à récupérer certaines de ses affaires dans l'épave, il serait sûrement plus en paix si elle m'était confiée.
Il portait une boucle de ceinture en bronze, gravée tout spécialement pour lui. Si vous la trouviez, je vous en serais éternellement reconnaissant. Bah écoutez, pour sa mémoire, on dit ok. Phénomène étrange ? Non, au courant de rien. Mais je me souviens que l'ancien maire, avant qu'il disparaisse, c'était pas beau à voir, il hurlait en jetant des choses à la mer « Renvoie-le !» qu'il répétait « Renvoie-le !» Ça sent l'abomination, ça. Il suppliait tous ceux qui voulaient bien l'écouter, il hurlait dans le vent. Ces temps-ci, j'ai presque l'impression de comprendre. Bon, merci. Et on a le peintre. Ah, le pêcheur. Je me disais bien que vous feriez un saut ici. Bienvenue dans mon humble atelier. Ça se développe, tout ça. Si vous voulez tester certaines décorations, je suis la personne qu'il vous faut. Ouais, on a un bateau marron. Quelle sorte? Des drapeaux, des banderoles. Pour donner du style. Si vous en trouvez d'autres lors de vos voyages, apportez-les-moi et je vous bricolerai ça. Aussi, une touche de couleur, Outcock. Mais mon choix de pigments est limité en ce moment. Vous pouvez en trouver d'autres. L'autre jour, sur la côte, j'ai vu un crustacé étrange aux couleurs extraordinaires. Il retire les bouts de tissu et papier de son établi, révélant un grand morpier de pilon. Avec le bon liant, on peut broyer des crustacés pour obtenir un nouveau mélange. Rapportez-moi des crustacés étranges. Ok. Donc, on va relancer les casiers. Peindre, changer de drapeau, ajuster la banderole. Je peux adapter la banderole. Je vais utiliser les pigments qui restent pour que l'esthétique soit harmonieuse. Oui, vas-y. Ça coûte rien. On verra plus tard. Il y a aussi un docker, j'avais pas vu. Le poisson est encore frais. Pas l'oublier. La cabine, il se passe quelque chose. 58%. Au niveau des quêtes. Je fais ça exprès pour pouvoir ce qui avertit. Et au niveau de la carte. Ça va être là où le père a perdu son fils. Ok. Ah, île de Caire. Comment va, mon gars? Tu fais des livraisons vers l'île de Pierre Noire? Cette vieille île est en ruine. Ça m'étonnerait, voyons voir. Il feuillette un grand registre qui semble contenir des manifestes de livraison. C'est bien ce que je pensais. Il n'y a même pas d'adresse de livraison là-bas. Personne n'y habite. L'île Pierre Noire, c'est pas là où il y a le collectionneur? Tu sais où trouver des épaves? Il y en a quelques-unes à l'est de l'île. J'imagine qu'elles sont toutes pourries aujourd'hui. Des malheureux n'arrêtent pas de heurter les rochers dans le brouillard. Il y a un angle mort qui empêche de voir le phare. Les gens se perdent. Phénomène étrange, mon gars? Ah oui, à la taverne, il y a quelques années, elle m'a paru bien étrange cette histoire-là. Il y a une vingtaine d'années, un pêcheur du coin a remonté un vieux coffre scellé du fond de la mer. Il l'ouvert et prit tout ce qu'il contenait. Bon, jusque-là, c'est cette nuit-là que le brouillard est arrivé. Depuis, il recouvre les mers toutes les nuits. Ah! Personne ne sait ce qu'il y avait dans ce maudit coffre. Tous les membres de l'équipage qui ont vu son contenu sont devenus fous. Ou pire, le coffre et l'équipage ont disparu sans laisser de traces. Mais le brouillard est resté. C'est fou, non? Est-ce que l'histoire va nous amener à remettre le coffre en l'eau? En mer, plutôt? Qu'est-ce que je peux d'autre pour toi? Ah, c'est comment, les docks? Aussi varié que la météo. En général, c'est calme, ça ne paie pas très bien, mais le boulot est simple, alors ça me convient. C'est agréable de profiter de la brise marine sans être sur l'eau. M'en veux pas, mon gars, mais je détesterais aller en mer tous les jours. Chacun son vie, chacun son métier. Nous, on va aller au port. On va aller vendre ça, ce serait pas mal. On a encore l'option célérité. On va faire un test, on va chauffer pour voir ce qui se passe. Il y a de la casse à votre avis? Allez, c'est parti. Là, on est en sécurité. Ah, coque endommagée, moteur hors bord HS. Ok. On le sait maintenant. Regarde ce que je t'amène. Alors c'est vrai que j'aurais pu donner au peintre celui-là, mais off, non. 258$, ça vaut le coup les rares. $150. Oui, on va se faire plaisir. On va s'acheter ces nouveaux casiers-là. Certains poissons aiment les eaux profondes, d'autres restent dans les hauts fonds. Si tu cherches une espèce précise, tu vas savoir à quelle profondeur pêcher. Oui, bah oui. Comme ça, dans la réserve, on va jongler.
Je pense qu'on va réparer les casiers. On va faire du crabe. Voilà, tout est pareil pour 67$. C'est pas si cher, c'est bon. J'ai 183. Ça va être le prochain objectif. Avoir au moins 410$. Ça devrait le faire. Vous avez vu les arbres trembler en arrière-plan ? Punaise. Alors, on va sélectionner les casiers. Beaucoup de crabes. Il y a la profondeur, 2 mètres. Je suis curieux, hein, j'avance. J'ai plus de casier. Oui, bon, on peut se mettre partout, en fait, c'est cool. Des cabillauds, du cardo. On va continuer les raies. Les raies, ça rapporte. On va se faire du pèse. Qu'on puisse pêcher en océan, quand même. Un gameplay comme ça en bateau de pêche, quand même, il n'y en a pas beaucoup, hein, je pense, de jeux là-dessus. On va faire un zoom pour les vieux. Comment je fais? Oh, c'était pas mal tout à l'heure comme ça. Tac. Oh, déjà épuisé. On va prendre le cabillaud. Cabillaud à gauche, et là c'est du cardo. Les cabillauds, on les vend bien. 18$, d'accord. Le cardo, 18, pareil, c'est pas terrible. Le mérou noir, c'est la nuit. $10 le maquereau. Elle arrête $60. En effet, c'est pas terrible tout ça. On va prendre un peu tout le monde, hein. On prend un troisième, on en parle plus, c'est le même prix. Ah, oui, je l'ai eu. Oh, super, 46 cm. Ben voilà. Allez, on va vendre tout ça. Qu'on finisse l'épisode en beauté, ça serait pas mal. Alors, ça donne un bonus. Les cannes à pêche remontent le poisson 10% plus efficacement. C'est bien. $165, il manque plus grand chose, une centaine de dollars c'est fait. Si on avait des crabes, merci. On n'a rien de cassé. Il est 15h. Et on a dit qu'on voulait acheter le moulet pour l'océan. Alors attends, on va regarder déjà si les crabes, ça clignote pas. Cabillaud. Bof. Les anguilles, ça peut être bien. Il y a un truc à l'océan là qui nous attend. Il n'y a que 3 anguilles, d'après ce que je vois. Ah, ah, ah.
Je suis pas un bon pêcheur, je sais, je sais. Et c'est épuisé? Non, sérieux. Il y a un truc là. C'est deux spots de cabillaud. Tiens, il y en a juste un là. Pas besoin d'aller trop loin. Toujours mieux que du maquereau. Allez, c'est parti, Tetris! Épuisé! Et il fait nuit, bah attends, on va finir alors ici, on va pas risquer. Oui, tech et prudent, je sais. Non, c'est du calmar, c'est la nuit, oh c'est bien! Ah attends, parce que non, 21, elle fait 32, ah oui! Est-ce qu'on a un problème dans le coin? Est-ce qu'il y a une grosse bestiole? On tente. Tout va bien, tout va très bien. Le gros poisson n'est pas là. Le técamon va revenir tout riche. Oui. Un calmar couvre... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des tentacules émergent d'un noyau lumineux dans un sac gélatineux. Il est accompagné d'autres moyens... D'autres noyaux. Inactif. Bon, on va ramener cette bonne pêche, hein. On va pas risquer la vie. Oh, saloperie. Ces rochers n'étaient pas là. Oui, en fait, le jeu fait vraiment un truc roguelite. Il faudrait un phare plus puissant. Ouh. Regarde tout ce que j'ai pour toi. $518. Écoutez, c'est la bonne nouvelle. On va pouvoir réparer et acheter le moulinet pour l'océan. Et bonjour aux spammers dans le chat. Allez, on l'oublie. On revient. On répare. Oui, je sais, je fais beaucoup de bêtises. Et du coup, on va enfin pour pêcher dans l'océan. Comme ça. C'est pas grave. Océan, côte et au fond. Bah, c'est très bien. Dodo time. Et on va finir la pêche sur l'océan et on aura tout vu ce matin, je trouve, sur ce petit jeu sympathique. Alors, on va chercher un spot. Et on va voir même les filets de crabe, les nasses. Donc là, c'est de la côte, cabillaud. J'ai un panier à crabe, deux paniers qui clignotent. On va sortir. Peut-être vers ces rochers-là de l'océan. Macro tacheté. Cabillaud. Oui, il y a quelque chose. Allez, on va tester le moulinet. Attention, comment on pêche? Ça va. Un requin. Oh, 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 oh. Ok, il est assez encombrant. On va finir par les casiers. Donc tu prends pas beaucoup de prise dans l'océan, mais ça vaut le coup. On va voir comment on va ranger ça. Ah ouais, c'est bien ça aussi. Ok, bah tu as cela. Oh punaise. On va essayer d'optimiser la place. On va mettre un crabe là encore, un gros, c'est tout. Le jeu n'est pas sympa.
Je peux pas le prendre. On va voir l'autre, on va le laisser en récupérer un. Il est encore bon quelques jours. Un crabe cérébral. Ok. Ce qu'on va faire, on a un peintre à qui on peut donner des trucs bizarres. Des crustacés, c'est ça qu'il voulait. Mais oui. Souviens-toi. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Eh ben écoute... Mince, ça marche pas pour le pigment. Le toit, la coque, non. Vous ne semblez pas posséder de nouveaux drapeaux. Revenez quand vous en aurez. Non, bah non, écoute, je croyais qu'on pouvait. On n'a pas de point de recherche. Eh ben, on va vendre. Hein. On va vendre le requin, on va voir combien il nous rapporte. Que 10 heures. Je me trompe, c'est un cabillaud. Ah! Eh ben, laisse tomber. C'est pas grave, il pleut, on est bien. Celui-là, ici, un petit poisson de plus. Ouais, allez. Pour 10$, c'est du bonheur. Et on va vendre tout le poiscaille. Je ne sais pas comment tu tiens le quotidien. Je ferai pas de vieux zoo au large. Et ben on va vendre tout pour 209$. On a un bateau qui est vachement optimisé quand même, même si on fait quelques bêtises. On a des bonnes cannes à pêche. Et ce que je vous propose, on va arrêter là. Et le prochain live, on ira s'amuser, on prendra des risques. La pointe d'acier, allez voir. Il y a aussi les falaises de griffes de souffle-vent. On trouvera l'occasion, promis. YouTube, j'espère que Dredge vous plaît. Lâchez des commentaires, vous verrez les premiers épisodes donc mardi prochain, le 6 août, où on fera du live de Factorio le matin d'ailleurs, au passage. Et Twitch, eh ben on va se quitter là-dessus aussi. Je vous souhaite à tous un bon jeu, une belle journée, un bon appétit pour ceux qui ont la dalle. Et puis moi, je vous dis à bientôt. On se retrouve mardi prochain, le matin, normalement. Lundi soir, si les copains sont par là. Allez, save. Et on valide Dredge, je m'amuse bien dessus. Bye bye tout le monde. Thank you.